Bongo serait donc en résidence surveillée. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les militaires tout à l'heure à la télévision. Écoutez. De la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Et on va partir tout de suite à Libreville, retrouver notre correspondant Ismaël Obiang Nze. Ismaël, bonjour, quelle est la situation sur place en ce moment ? Oui, Libreville présente deux visages depuis le réveil. D'un côté, le centre de la capitale siège des institutions complètement désertes, avec des checkpoints de militaires au mètre carré et une circulation très limitée. De l'autre côté, les quartiers populaires où des scènes de liesse se poursuivent au passage des patrouilles de policiers et de gendarmes en cagoule. Les foules applaudissent et entonnent l'hymne national, la Concorde. Ça sent donc un parfum de libération dans la plupart des quartiers. Plus aucun doute, cette tentative de putsch est saluée par une grande partie de la population. Alors, où je vous parle, on peut coller un nom au visage, disons, on peut donc parler de celui qui est derrière cette tentative de putsch. Il s'agit donc du commandant en chef de la garde républicaine, Brice Oligui Nguema. Merci beaucoup, Ismaël Obiang Nze. On vous